Ça va pas? Mes pneus sont complètement lisses. J'avais plus de fric pour aller acheter. Je tiens plus la route. Je passe devant. Pour te retenir. Colle-moi derrière et n'aie pas peur de t'appuyer si tu te sens partir. Ouais. Mais dis donc, on s'en sort encore drôlement, nous deux, au volant, hein, pour faire des trucs pareils. C'est arrivé à pic, hein. Ah, tu vois, hein, parfois le hasard fait bien les choses. Puis justement, je voulais te parler. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ah, ben ça, il y en a pour un moment, hein.
Bon, ben, arrêtons-nous au prochain relais? Non, on va parler ici. C'est froid, hein? Oui, mais il n'y a pas de témoin. Vous tenez absolument à ce que cette conversation ait lieu sur la route? Absolument. D'homme à homme. Je vous écoute. Une pipe, môme? C'est encore un bel outil, hein. Ça doit faire un an que tu l'as. Pas tout à fait. Ben, c'est juste. Il y a un an aujourd'hui que tu m'as quitté pour créer les transports du puits. Un an tout juste. Jour pour jour. Rappelle ? C'est ici même. Si, un parapluie et deux grogues. Écoute, mon. Dans cette histoire, on a tous les deux des trucs à se reprocher. Mais ici, il n'y a personne pour nous entendre. Il y a toi, moi et la route. Alors dis, ton amour propre, hein, elle fait comme moi, ce qu'il faut dessus. Et qu'est-ce qu'on gagnerait tous les deux à crâner devant nos camions? À moins que t'aies pas envie. T'aies pas envie qu'on redevienne amis, quoi. T'as quelque chose contre, faut le dire, hein? J'ai rien contre. Bon. Alors laisse-moi faire. Tu te rappelles? Il y a un an, je t'ai pas prêté d'argent parce que je voulais m'acheter mon troisième camion. Si je me rappelle, oui. Eh ben, je n'ai toujours pas mon troisième camion. Mais j'ai toujours les sous. Eh ben, si tu veux, ils sont à toi. En arrivant à Paris, tu prends cet argent, puis tu payes les traites qui te restent. Mais et mon camion, alors? À qui il est? À nous. Quoi? Ah, mais les deux miens aussi sont à nous. Je vois pas ce que vous voulez dire. Avec nos trois camions, on fonde les transports Mathieu et Dupuis. Enfin, Dupuis et Mathieu, si tu veux, moi j'en ai rien à foutre. Et on a trois camions sur la route qui nous appartiennent. Autant à toi qu'à moi. Je comprends pas bien. Attends, je recommence. En arrivant à Paris, au lieu de perdre ton camion, t'en deviens définitivement propriétaire. Forcément, puisque je te donne les sous. T'as compris, ça? Ouais. Bon. Alors, avec nos trois camions, on fonde une affaire qui nous appartient autant à toi qu'à moi. Toi, tu mets un camion, moi j'en mets deux. Et on fait moitié-moitié pour tout. T'as compris ce coup-ci? Mais vous y perdez. Oui, mais toi, tu gagnes. Ça fait une moyenne, ça, non? Oh, dis, tu vas pas encore me dire non? Je sais plus quoi dire, moi. Eh ben alors, dis rien. Regarde la petite vieille d'il y a un an. Elle aussi, elle est au rendez-vous, hein. Toujours aussi imprudente. Oui, mais ce coup-là, on l'a eu.
On était arrêtés.